Excuse-moi, bébé. J'y vais. On se voit tout à l'heure, ok? J'ai travaillé très dur avec mes mains pour te faire ce petit déjeuner chaud-là. Ok, ok. Qu'est-ce que nous avons ici? Ça m'a l'air délicieux. Très délicieux. C'est vraiment délicieux, bébé. Mais je dois partir maintenant. Je dois partir. Je suis désolé, bébé. Je dois partir. On se voit tout à l'heure. Et tu es encore debout? J'arrive pas à dormir. Oh. Et ta sœur? Elle dort. Ouais. Pa n'est pas encore rentré? Pas encore, ma puce. Il rentre vraiment très tard. 6 jours. Le nouveau poste de papa le retient beaucoup au bureau. Ne t'en fais pas, il sera bientôt là, ok? Ok. Laisse-moi te chanter une verseuse. Comme tu dis. Maman.
Je ne suis plus un bébé. Et qui a dit que ce n'est qu'au bébé qu'on chante une berceuse? Ok, je vais te dire un petit secret. Papa me chante souvent des berceuses. Vraiment? Waouh! Papa et toi êtes très amoureux. Oh, quand je vais me marier, j'aimerais que mon mari m'aime autant que papa et toi. Allons-y, tu dois faire dodo. Salut, salut bébé. Ne me touche pas. Tu étais encore avec l'une de tes maîtresses, n'est-ce pas? Oh. Voyons, Ariel. Pas encore. Je me sens insulté lorsque tu prononces ces accusations infondées. Menteur. Cette fois, les preuves se lisent partout sur toi. Tu sens son parfum bon marché. Ah. Ah, ça va bébé. Voilà. Je t'ai gardé ceci. En fait, j'ai d'abord décidé de le tester sur moi. Juste pour me rassurer que l'odeur a une longue durée. Et c'est cette odeur que tu sens sur moi. Le fait que tu parviens à le sentir malgré le fait que je l'ai mis depuis l'après-midi, au moins ça signifie que c'est un bon parfum. Je sais à quel point t'es exigeante. Et donc tu penses que tu peux me tromper avec un parfum pour couvrir ta débauche? Vraiment? Chola, tu es sans vergogne. Sans vergogne. Bien, je ne sais pas comment l'interpréter. Que peut bien faire un homme? Après une longue journée au travail, il rentre à la maison, il se démerde encore pour lui acheter un présent. Mais ça compte pour du beurre.
Quoi? Tu essayes de m'impressionner en prenant un jour de congé? Écoute, bébé, je m'excuse. Je m'excuse d'avoir laissé mon travail me voler des filles et toi. J'ai décidé de rester là aujourd'hui et de prendre du temps avec ma famille. N'essaye même pas de renverser la situation, Chola. Il ne s'agit même pas du fait que tu rentres tard. Il est question de ton infidélité à mon égard. S'il te plaît. S'il te plaît, tu peux arrêter ça? Je ne te trompe pas. T'en fous pas de moi, Chola. Ne fais pas ça. Qu'est-ce qui ne va pas avec toi? Pourquoi persistes-tu avec ces accusations infondées? Je n'ai pas l'intention de te tromper. Alors qui est Maria? La jeune femme avec qui tu disais avoir eu un dîner, il y a 2 jours, au restaurant Lancastel. Qui est-elle? Tu ne peux pas me duper, Chola. Et tu sais quoi? J'en ai marre. Salut, bébé. Comment tu vas? Quoi de neuf? Attends. Qu'est-ce qu'il y a? Mon mari est là. Oh. Ah bon? Pas de taf aujourd'hui? Assieds-toi. Merci. Et que puis-je t'offrir? Rien, c'est bon. Ça va. Je suis venu pour te voir et savoir comment t'allais. Oh. Merci. Comme tu peux le voir. Je vais bien. T'as pas l'air. Vraiment. Où on en est, ce dont on a parlé? J'aime pas te voir foutre en l'air tout ce talent en tant que femme au foyer. Je ne me plains pas. Mon mari s'occupe très bien de moi et des enfants. Voyons, Ariol, est-ce que tu t'entends parler? Je sais que ton mari ne veut pas que tu travailles parce que tu bosses avec les gosses. Je te l'ai dit avant, inscris-les dans un internat afin d'avoir du temps pour toi-même et développer ta créativité. Il faut ça. Et tu me mets la pression. Et j'y pense encore. Décide-toi très vite. Décide-toi parce que je suis fatigué. J'en ai marre d'attendre pour le bon partenaire pour complémenter mon propre talent à moi. Et tu es sûr que tu ne veux rien boire? Cela est définitivement un signal de quelqu'un qui doit être mis à la porte. Ça va. On se retrouve à l'endroit habituel, ok? Quand tu seras libre. Bonjour, monsieur Abata. J'étais sur le point de partir. Au revoir. Je t'assure, Daniel, c'est le rêve d'une opportunité de toute une vie, mon frère, je t'assure. Je viens d'investir 35 millions de naira de mes propres poches dans ce business. Je peux te dire que c'est d'ici quelques mois, on parle d'environ 6 mois, je serai encore plus riche de 100 millions de naira comme profit. Maintenant, de quoi tu parles?
Ok, voici ce qu'on fera. Je vais t'envoyer le lien. Je vais t'envoyer le lien, comme ça tu pourras t'enregistrer. On parlera mieux en face. D'accord, à plus tard. 37 millions de naira. J'ignorais que tu avais autant d'argent pour investir dans le système de Ponzi. Ce n'est pas un système Ponzi, Ariel. Arrête de dire ça. Ariel, je te l'ai déjà dit. Maratha Investissement est une jeune compagnie, ok? Ils ont des antécédents en matière de remboursement. Ils payent. Est-ce que tu sais même combien mon cousin a gagné en faisant des investissements chez eux? Vas-y au village et tu verras. Va au village et tu verras l'immeuble qu'il a construit en peu de temps. 3 immeubles de chaque côté qui se lèvent en même temps. Et tu t'attends à ce que je ferme les yeux pour ne pas saisir cette opportunité? 37 millions de naira, Chola. J'ai cru que tu te lancerais dans l'investissement immobilier quand tu auras assez épargné. Ah, voyons. Bébé, ne me dis pas que tu ne sais rien de rien. Et tu es en train de suggérer que 35 millions de naira est assez pour construire un business immobilier? Vraiment? Que pourrait faire 35 millions de naira et ça ne peut même pas construire un seul local? Alors qu'avec ce genre d'investissement, j'attends au moins 100 millions de naira de profit, dont environ 6 mois, et là je pourrais lancer mon business immobilier et accomplir mes rêves. Je veux reprendre le boulot. Pourquoi faire? J'en ai marre de cette histoire de femmes domestiques en plein temps. Les filles ne sont plus des gamines. Bébé, je ne gagne pas assez d'argent pour m'occuper de cette famille. Nous n'avons pas besoin d'un revenu supplémentaire. Chola. Non. Chola. Je t'ai dit non. Nous avons déjà parlé de ça avant. Non. S'il te plaît, ne ramène plus ce sujet. C'est mieux que tu ailles au boulot aujourd'hui. Hmm? Ça servait à quoi que tu restes à la maison? Si c'était simplement pour rester sur ton téléphone, ou alors parcourir tous ces documents. Tu n'as même pas remarqué ma présence. Je suis vraiment navré, bébé. J'essaie juste de rattraper le boulot. La charge de travail a drastiquement augmenté au boulot. J'ai vraiment de la poisse. Tu n'es pas l'unique écrivain dans ce monde, Chola. Ne te prends pas pour le meilleur. Mon bébé, je suis désolé. Désolé. Ok, maintenant tu as toute mon attention. Hmm? Ma petite reine. Hmm? Est-ce que tu veux, n'est-ce pas? Hmm? C'est tout? Je suis désolé, bébé. Je sais. Je sais que ça n'a pas été bon comme d'habitude. Mais là, je suis vraiment stressée. Avec toute la pression du travail. Oh, s'il te plaît, n'accuse pas le boulot. Comment ne serais-tu pas épuisée quand tu dépenses ton énergie avec d'autres femmes? S'il te plaît, ne recommence pas avec ça. C'est déjà fait. Quelle autre bêtise comptes-tu me dire?
Attends, tu sais quoi? Je viens de réaliser que la raison pour laquelle tu as toujours été sur la défensive, c'est simplement parce que c'est une forme de défense. Oui! N'es-tu pas celle qui me trompe? Jusqu'à même, tu as le courage d'amener ton copain dans ta maison conjugale. Tu n'as pas honte? Quelle connerie! Je t'ai dit que Sophie est juste un ami. Il vient de rentrer des États-Unis et il envisage de s'associer avec moi pour l'organisation d'un événement. C'est tout. Oh, oh, je le savais. Ah, maintenant, tout a un sens. Tout d'un coup, du jour au lendemain, tu as recommencé à insister sur le fait de vouloir reprendre le travail. Ok, tu essayes de créer assez de temps libre pour toi afin de le dépenser avec ton soi-disant ami et Fossa, dont toutes tes liaisons illicites et immorales, n'est-ce pas? Chola, si tu penses que tu peux retourner la situation contre moi, tu te trompes. Ce n'est pas moi qui essaye de retourner la situation. Je te dis juste ce qu'est la vérité. Ce n'est pas je... Maman, papa, vous vous disputez. Non, non. Les filles, bien sûr que non. Votre mère était juste en train de m'aider à travailler sur le nouveau script sur l'art sur lequel je travaille actuellement. Oh, vraiment? D'accord. On veut voir. Ouais. Les filles, vous voyez, cet art particulier, c'est pour les adultes et non pour les enfants. Les adultes. Comme vous pouvez le voir. Je ne savais pas qu'il y avait de l'art pour les adultes. Ouais, ouais, si, si, y en a. Jeune fille, il y a tellement de choses que vous ne connaissez pas. Oui, en fait. Ok. Alors, si, s'il vous plaît, rentrez dans vos chambres. Oui. Je vous apprendrai cela plus tard. Rentrez juste dans vos chambres. Allez vous coucher. Oui. Bonne chance avec ton script. Merci. Bonne nuit. Merci. Bonne nuit. Bonne nuit. Oh. Jusqu'à quand comptes-tu prolonger tes mensonges? Et très bientôt, elles se rendront compte du père honteux et incapable que tu es. Je te demande pardon. Que viens-tu de dire? Tu as très bien entendu. Comment oses-tu? Et que vas-tu faire? Hey, laisse ça. Bébé, pourquoi tu fais ça? Qu'est-ce que tu fais? C'est juste parce que j'ai perdu mon boulot. C'est pour ça que tu veux te saouler comme une abeille? Voyons, ce n'est pas nécessaire. Oui, j'ai perdu mon boulot, mais je vais rebondir. Je suis celui qui devrait s'inquiéter, et non toi. Pourquoi fais-tu toute une histoire sur le fait que, j'ai perdu mon boulot? Je vais trouver un autre boulot, ok? Et tout va revenir dans l'ordre. Allez, 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 allez. Donne-moi ça. Que diable ne va pas avec toi? Pourquoi agis-tu de la sorte? As-tu oublié que j'ai assuré mes arrières? Les 35 millions de naira que j'ai investis à Maratha, tu as oublié que ça va bientôt nous produire? Vraiment, je ne te comprends pas. Tu te comportes comme si c'était la fin du monde.
Tenez, tenez, attends, attends. Qu'est-ce que tu racontes? Tu ne peux pas me dire ça. Que veux-tu dire par ils ont fermé? Ils ne peuvent quand même pas fermer soudainement. Je suis désolé, Shola. Je suis vraiment désolé. Cesse de t'excuser. Cesse de t'excuser, ce n'est pas ce dont je veux entendre. Tony, c'est toi qui m'as introduit dans ce business et tu m'as dit qu'ils vont me payer. Et maintenant, quoi? Je dois juste laisser mes 35 millions de Naira s'évaporer dans les airs, juste comme ça? 2 semaines de réclamation, Tony. 2 semaines. Tony. Allô? Allô, Tony? Tony? Mon Dieu. Quoi? Thank you.
Bonjour, bébé. Hey, bébé, bonjour. Bonjour. Comment était ta nuit? Et ça aurait pu être mieux. J'ai dormi très tard. Mais c'est parce que t'es rentrée tard. Et tu n'as même pas pris du temps pour te détendre. Tu sais que trop de travail rend grincheux et grognant. La faute aux embouteillages, s'il te plaît. Je ne peux que blâmer les embouteillages pour ton retard incessant au travail. Mais comment choisis-tu de te détendre? Comment tu choisis de terminer tes journées? C'est ta décision, ça ne tient qu'à toi. Oh, Shola, accorde-moi du répit, s'il te plaît. On ne va pas le faire encore. Pas aujourd'hui. Je n'ai pas la force pour me battre ce matin. Pas après être resté dans les embouteillages, après des heures et me réveiller tôt le matin pour aller voir les clients. Allez! D'accord. Pas de bagarre. Pas de bagarre, ok? Pas de bagarre. Viens juste prendre ton petit déjeuner, avant que ça ne devienne froid. Non, bébé, je vais me passer. C'est une production médiatique de renommée internationale. Ils sont à nos côtés pour planifier leur prochaine sortie. C'est une énorme boîte avec un méga, méga bonus de Noël. Et ne t'en fais pas, je vais manger après la réunion, d'accord? On se voit ce soir. Je t'aime. Bye! Pour qui est-ce que cette femme me prend? Je veux dire, pour qui est-ce qu'elle se prend? Je reste à la maison pour faire mon travail et prendre soin de cette maison. Et qu'est-ce qu'elle fait? Elle rentre très tard le soir et va directement se coucher. Je me lève très tôt le matin par amour, je fais la vaisselle et je fais son petit déjeuner. Et elle ose me dire qu'elle va s'en passer. En voilà donc sa récompense. Elle va s'en en passer. Pourquoi et pour qui est-ce qu'elle me prend?
Oh. Hey, mais quoi de neuf? Hey, salut. Tout va bien? Les choses pourraient pas aller mieux? Bonjour. Bonjour. Le texto que t'as envoyé hier, c'était un rêve ou quoi, le texto que t'as envoyé à propos de Gramsys Piocy? Ah, gars, nous sommes partout pour un méga bloc. Eh bien, maintenant, c'est un ordre de faire qu'elle ne capote pas. Jamais de la vie. Même le diable et ses démons ne pourront pas nous arrêter cette fois-ci. Je suis très sérieux. Tu sais quoi? Envoie-moi son adresse email pour que je commence à travailler le plus tôt que possible. Calme-toi, mec. Je sais à quel point tu es super excité, hein? Je sais. C'est du lourd, je t'assure que c'est énorme, c'est du lourd. Je suis aux anges actuellement. T'es où, là? Ok, retrouve-moi à Spag, l'ange, tout de suite, s'il te plaît. Oh, d'accord. J'arrive tout de suite. Ah, Bianca, t'es juste à l'heure. Bonjour, Chola. En retard, je sais. Mais c'est de la faute du verre que j'ai bu hier soir pour avoir un peu d'inspiration et compléter le script. Ça fait beaucoup d'excuses venant d'une interne. Tu le sais, n'est-ce pas? Tu dois vraiment être prudente. Ah! Je rigole, bon sang. Je rigole. Allez, viens, assieds-toi. Ok. Waouh. Oh, tu en as fait 3 copies. J'aurais besoin d'un seul, en fait. C'est bien. Ok. Au moins, tu as obtenu le format en écriture manuelle. C'est un bon début. Mais c'est vraiment trop stressant, alors qu'il y a une application qui peut gérer ça. Tu sais aussi que les applications échouent, n'est-ce pas? D'ailleurs, c'est important de rester professionnel, même lorsque tu essayes de trouver des moyens pour trouver facilement le job, selon un horaire serré, ok? Ouais. Mais je vous promets, vous allez adorer le script. Ah, ok. Tout doucement. Ne te jette pas encore des fleurs. Je dois d'abord te juger et en décider. Ok,
Mais je sais que j'ai choisi le bon mentor. Ouais, ok. Laisse-moi d'abord t'apporter à boire, ensuite je viendrai le lire. Ariel? Oui. Tu m'as demandé de venir te voir ici. Et tu as un jet privé? Oh, mais non, j'ai pris un jet privé, hein. On est arrivé. Merci. Alors? Sans blague, tu plaisantes là. Un projet de 50 millions de naira? Ouf. Processus direct, il n'y a pas de tierce partie.
Oh mon Dieu. Waouh. Et le gratuit est tellement bon. Et cela ne me coûtera même pas cher parce que les vendeurs sont mes amis et j'ai déjà trié du matériel provenant d'anciens projets. Donc, on a juste à mettre à jour et améliorer. Waouh. T'es simplement incroyable. Je veux dire, ce sont des fonds gratis, tu sais ça? Je pense que ce qu'on doit faire là maintenant, c'est de s'asseoir un peu, se détendre et concevoir un plan d'exécution parfait. N'est-ce pas pourquoi j'étais toi? Sérieusement, c'est un projet qui va définitivement me propulser sur les feux des projecteurs, mec. Et cette exécution doit être parfaite. Oh, top! Je veux dire... C'est juste toi? Ça doit être nous, pas juste toi dans les feux de projecteurs. Mais ça nécessite une célébration. Serveur! Serveuse! Ok. Viens, viens, viens. Trouve-le, s'il te plaît. Passe ta commande. Tu veux quoi? Ariol, d'où viens-tu à cette heure de la nuit? Du boulot, bien sûr. Du boulot? Oh, ok, alors, maintenant tu es la seule femme ouvrière dans le monde. Hein? Je veux dire, tu es la première organisatrice d'événements dans l'histoire des organisateurs d'événements. S'il te plaît, ne recommence pas avec ça tout de suite, Shola. Je suis morte de fatigue, je t'assure. Fatiguée de quoi exactement? Fatiguée d'avoir laissé ton devoir conjugal au nom d'un simple boulot, un boulot que ton assistant pourrait faire en quelques minutes juste avec une directive. Hein? C'est donc de ça que tu es fatiguée? Ou alors tu es tellement fatiguée d'oublier les dates importantes de ta vie? Une date que tu as marquée sur le calendrier et le collé sur le frigo et dont tu jetais un coup d'œil tous les jours. Qu'est-ce qui t'arrive, madame? Pourquoi me craches-tu tout ce venin, Shola? Bien, et si je dois te dire la vérité, je suis fatiguée de bosser comme une dingue pour mettre de la nourriture sur la table. Je suis fatiguée de bosser comme une dingue pour payer la scolarité des enfants et pour leur donner une meilleure vie. Ok, alors, les enfants, tu suis bien à leurs besoins, ces mêmes enfants que tu n'appelles même pas durant la journée pour savoir comment elles vont. Ces mêmes enfants dont tu te fous de savoir le résultat. Hein? Ces mêmes filles dont tu as complètement oublié leur anniversaire. Mon Dieu, ça devient déjà répugnant et inacceptable. Pourquoi as-tu décidé le bonheur et l'attention de tes enfants pour accomplir tes ambitions égoïstes? Ariel, tu es rarement disponible ces temps-ci. Pourtant, c'était censé être un beau voyage. Tu n'as pas le droit de me dire ça, Shola. Oh, j'ai tous les droits de le dire et tu le sais. Non, monsieur, tu ne peux pas. Je les ai portés dans mon ventre pendant 9 mois et je les ai allaités. Comme tu veux. Tu sembles oublier qu'il m'a fallu beaucoup de travail pour les mettre là-dedans tout d'abord. À un moment, j'ai pensé que le mariage pouvait transformer une femme dorlotée, bichonnée, en une femme responsable, prête à assumer ses responsabilités d'épouse. Non, mon vieux. Ne fais pas ça. C'est un jeu très vilain. C'est de l'honnêteté brutale. De l'honnêteté brutale? Sérieusement? Shola, de l'honnêteté brutale! Je mérite des remerciements dans cette maison, Shola! Tu dois me remercier! Rien du tout. Tu n'as pas...
Tu ne peux pas prendre ton boulot comme excuse pour abandonner. Je n'ai jamais pris mon boulot comme prétexte. Je te dirai la vérité que tu ne le veux pas. Je devrais me remercier. Tu la fermes. Vraiment inutile. Franchement, pourquoi veux-tu faire tout ton plat simplement à cause d'une petite histoire? Qu'est-ce que c'est? À quoi veux-tu faire ressembler cette histoire? T'es sûr de ne pas être fatigué de ce mariage? Tu sais quoi? Je pourrais bien l'être. Oui. Mais devine quoi? Je n'ai pas non plus envie de faire de Nora et de Sharon des victimes de la bombe à retardement qui nous attend ici. Tu pourrais l'être. Pourquoi ne donnes-tu pas la solution pour mettre fin à ce mariage? Le tribunal n'est pas loin de chez nous, Chola. Pourquoi? Allons donc signer les papiers du divorce. Penses-tu que je suis heureuse dans ce mariage où je dois constamment me tuer à la tâche? La femme est une aide. Et non le paradigme de la souffrance. Et même dans ces temps de tempête, il y a une génération d'hommes qui ne savent pas être des hommes. Des hommes qui souffrent de déficience de courage. Oh. Des hommes qui ne savent pas canaliser leur masculinité. C'est tellement triste. Fantastique. Oh mon Dieu. Ariol, tu es devenu soudainement très philosophe. Oh, juste parce que tu dépenses de l'argent pour t'occuper maintenant de cette famille. Tu es devenu soudainement une autorité luttant contre tout ce qui va mal avec la société et les hommes. Qu'en est-il de toi? T'es-tu une seule fois regardé dans le miroir? En quel genre de femme tu t'es transformée? Hein? Une femme qui n'arrive pas à comprendre ce que c'est réellement une femme? Une mère qui ne comprend pas la joie de la maternité? Une mère qui ne prend pas soin de son foyer? En fait même, une femme dont le foyer n'en est même pas un. Comment oses-tu, Chola? Comment oses-tu? Quiconque t'a dit... Tu es malade? Je pense que tu dois avoir perdu la tête et levé la main sur moi. Nonce! C'était la dernière fois. Cette femme m'a vraiment poussé dans mes derniers retranchements. Je ne vais plus lui permettre à nouveau. Non. Thank you.
Je sais que j'ai dépassé les bords. Et je suis une femme. Une femme qui ne doit pas s'excuser devant un homme qui a osé lever sa main sur moi. Et m'a rendu une gifle. Elle doit d'abord s'excuser. Et si elle ne peut pas, alors qu'on en reste ainsi, ça m'est complètement égal. Devrais-je briser le silence et m'excuser pour la gifle? Non, non, je ne peux pas le faire. Je veux dire, si je le fais, elle ne cessera jamais d'agir de la sorte. Non, je ne ferai pas ça. Elle mérite ce qu'elle a reçu. Après tout, c'est elle qui m'a giflé en premier. Donc, de toutes les serviettes de cette maison, elle a décidé d'utiliser ma préférée. Cette femme pousse vraiment à bout. Croyez-moi, on va leur coller une bonne raclée. Franchement, les gars, je vous assure que c'est ce qui va arriver. Joula, qu'est-ce que tu fous? La meilleure équipe, tu trouves? Ça, c'est ton point de vue à toi, frangin. On va leur donner une raclée. De quoi parler? Le match vient juste de commencer, qu'est-ce que vous dites? Exactement. Ah. Ouais, désolé mec, ce n'est pas... Non, non, je t'avais prévenu. Parfait. Je t'avais dit, il est impossible pour la eux passe. De gagner. Cette équipe n'est pas forte. Voyons. Et en plus, les gars ne touchent même pas le ballon. Vous voyez, il ne touche pas le ballon. Mais qu'est-ce que vous racontez? Jenny, quoi de neuf? Oh oui, s'il te plaît, merci. J'aimerais y jeter un coup d'œil. Oh oui, rédigez-le le plus tôt possible et envoie-le-moi par mail. Et tu sais qu'on ne peut pas se permettre de le perdre. Tu me connais très bien. Ok. Et c'est un marché contre lui, ma puce. À mon avis, avec les joueurs qu'ils ont sur le terrain, s'ils jouent bien, ils auront la chance de le faire. Et tu le sais, n'est-ce pas? Oui, s'il te plaît, je suis très intéressée. Tout à fait. Ok, d'accord. Oui, j'attends. T'aimerais qu'on se voit? Ok, les gars, nous pouvons le faire. Et s'il te plaît, envoie-moi le numéro du vendeur. Allez, j'aimerais lui parler en personne. Je vous ai dit qu'ils ne peuvent Merci. Pas gagner. Je crois en ces gars, les mecs, je vous assure. Ils ont juste besoin de concentration et ça va aller. Ok, j'attends, s'il te plaît. Allez, on se dépêche. On ne peut pas se permettre de le manquer.
Je vais bien. Et tout le monde va bien. Oui. Mon foyer. Et c'est toute une autre histoire, maman. Bien. Mon foyer est juste comme ça. Et c'est un vrai enfer sur terre, maman. Et ça ne me fait aucun bien. Je dois le dire. Bien. Je m'en fiche. Les inconvénients et les motifs négatifs. Ok. Un coucou à papa. Bye. D'après le guide du débutant que j'ai lu hier, je viens de réaliser que, pour le blog, il faut commencer avec de grandes relations proportionnelles, comme la hauteur, établir les contours de l'étendue et de la face, et regarder l'aspect négatif de l'espace recherché. Est-ce que ça va? Tu ne m'écoutais pas. Désolé, je suis un peu... Mes pensées... Est-ce que tu veux en parler? Non, ça va. Ce n'est rien, juste... Des problèmes familiaux, des problèmes sentimentaux. Voyons, Bianca, s'il te plaît, laissons tomber, ok? Continuons. Non, pas question. Nous devons en parler. D'accord, ok, tu as gagné. Oui, des problèmes de famille. Et ta femme est en colère, je suppose. Ma femme est une dure à cuire. Voyons, tu devrais comprendre que les mariages de nos jours ne sont pas comme ceux d'avant. Ça a tout à voir avec le temps, la patience et le pardon aussi. Alors, c'était quoi tout ça? De quoi tu parles? Le silence entre ton mari et toi tout à l'heure, Ariole. Eh ben, c'est pas juste. En y réfléchissant, vous n'êtes pas un jeune couple. Tu comprends ce que je veux dire? S'il te plaît, fais attention. Ne sois pas la cause d'un divorce dans un mariage qui a déjà fait ses preuves. N'est-ce pas la preuve parfaite que tout est sur le point de s'écrouler? Jamais. Pourquoi es-tu si pessimiste d'ailleurs? Écoute, tu dois pas utiliser des paroles à tort et à travers comme ça. On ne sait jamais. Bonjour, Nora ma chérie. Mon bébé d'amour. Comment tu vas? Et ta sœur Sharon? Oh! Pour les congés. Oui. Ok. J'appellerai l'école une fois que j'arrive au bureau afin de parler à votre principal, ok? Maman t'aime. Bye, ma chérie. Oh, mes bébés, comme elles me manquent. Ok, une question rapide. Est-ce que t'aimes tes enfants? Bien sûr. Plus que tout au monde. Je les aime à l'infini. Ça doit être la raison pour laquelle ce mariage doit fonctionner. Avec leur cœur fragile et faible, ne penses-tu pas qu'elles auraient besoin de paix et d'unité?
Nous allons en discuter plus tard au bureau. Tout d'abord, allons décrocher ce contrat en or. Eh ben, si tu le dis, je veux juste que tu sois prudente. Vous savez que votre père est impatient de vous voir, n'est-ce pas? Bien sûr, vous deux, vous me manquez tellement. Vous savez que papa vous aime. Ok, je suis content que vous le sachiez. Ok. Je vais me rassurer de préparer votre chambre, la rendre super avec plein de couleurs. Et aussi, il y aura plein de glace et plein de chocolat qui vous attendra dans le frigo. Je savais que cela vous ferait plaisir. Vous aimez le chocolat. Ok. À très bientôt, les filles. Je vais tout mettre en place. On viendra vous chercher. Ok. Bye. Ça se décolle d'abord. Après ça, on fixe. Nora, la maison m'a vraiment manqué. Aussi. Surtout la cuisine de papa et de maman. Tu aimes la nourriture? Pas toi. Qui n'aime pas? Papa et maman sont des cordons bleus. Tu peux le redire encore. Sharon? Oui? Je t'ai vu consoler Amelia ce matin à la cantine de l'école. Quand elle pleurait. Pauvre fille. Sa tante lui a apporté la nouvelle ce matin à l'école que ses parents se séparent et que son autre frère Koladé a commis un suicide quand il a appris ça. Seigneur Jésus. Yo. Elle pleurait amèrement que j'ai presque pleuré avec elle. Aucun enfant ne devrait expérimenter un foyer brisé car cela affecte toujours négativement. C'est exactement ce qu'on a étudié hier en études sociales. Le divorce et les familles brisées. C'est grave. J'ai tellement mal pour elle. Dieu merci pour papa et maman. Ils sont tellement unis. Le plus important, ils sont amoureux. Ne sommes-nous pas chanceux? Oui, nous sommes chanceux. Wow,
Mes princesses sont là. Mes petites princesses. Oh, maman. Vous nous avez manqué. Vous m'avez aussi manqué. Vous m'avez manqué. C'est beau d'être à la maison. Oh mon Dieu. Regardez. Vous m'avez trop manqué. J'avais tellement grandi en si peu de temps. Bon arrivée. Alors maman, j'espère qu'as-tu que ma glace est dans le frigo. T'inquiète pas, on va gérer 100%. Ça. 100%. Ok. Oh maman, maman. Je suis contente de te revoir. Je suis contente de te voir aussi, ma puce. Ok, allons à l'intérieur. Oui, allons-y. Oh mon Dieu. Papa, c'est vraiment bon. Ouais. J'adore. Ça te plaît aussi, n'est-ce pas? Je savais que vous alliez adorer, je suis content. Alors, les filles, dites-moi, je suis très curieux de savoir à propos de votre nouvelle école, votre nouvelle classe. C'est super. Elle vous plaît? Parce que vous avez l'air de très bien l'aimer. Bien sûr, papa. J'ai même des camarades qui viennent de partout à l'étranger. Devine quoi, papa? Je suis même en train d'apprendre une nouvelle langue. Vraiment? Oui, papa. Waouh. Ok. C'est une très bonne chose. Comme s'ils avaient un choix. Ici, c'est notre pays. Ça doit être bien. Oh, ouais. Dame de fer. J'ai toujours su que tu n'accepterais pas des conneries. Autre chose. J'ai une amie camerounaise. Elle s'appelle Koupabella. Elle est très gentille et elle est forte en maths. Elle m'aide beaucoup en maths. Ça, c'est bien. J'aime ça. Vraiment? Alors, en parlant de vos matières, les filles, dites-moi que vous avez très bien travaillé aux derniers examens. Oui, on allait vous en parler. Et les filles, j'espère que vous vous souvenez du conseil que je vous ai donné votre premier jour d'école. Oui. Suis-je la seule à avoir ressenti de la tension dans l'air par ici? Oh. Je l'ai remarqué aussi. Il y a vraiment quelque chose qui cloche entre maman et papa. Et ils essaient, tout bien comme mal, de le masquer. Je croyais que tout ça c'était une histoire d'il y a 2 ans. Et pour empirer les choses, ils ont même oublié leur propre anniversaire. J'ai peur. J'espère que c'est notre imagination qui est en train de nous jouer des tours. Pas possible. C'est mieux. Vaudrait mieux pas. C'est un jeu à quoi, juste? Retourner mes enfants contre moi? Jamais. Les enfants ne sont pas stupides. Je pense qu'ils ressentent quelque chose. Si ce n'était pas le comportement irrationnel de cette femme, on serait tous en paix dans cette maison. Tellement stupide. Thank you.
Joyeux anniversaire! Oh mon Dieu. Nous sommes samedi? Oui. Oui, c'est aujourd'hui. As-tu oublié? Maman, papa, y a-t-il quelque chose que vous ne nous dites pas? T'avais aussi oublié, n'est-ce pas? C'est un cadeau? Bien sûr. J'espère que Sharon et moi n'allons pas souffrir du même mal que Maria, notre camarade de classe. Joyeux anniversaire. Sharon, allons au lit. Joyeux anniversaire. Vous... Les filles. Nora, j'ai peur. Dire qu'on pensait que le mariage de nos parents, c'est le paradis. Et s'ils décidaient de rompre? J'ai peur aussi. C'est drôle. Comme en une minute, tu vis une vie de rêve. Ensuite, la minute d'après, tout disparaît dans l'air comme un mirage. Sharon, nous avons besoin de nos parents ensemble. Le mariage a été conçu pour le meilleur et pour le pire. Nous savons comment un foyer brisé a presque détruit notre camarade de classe Maria. Nous ne pouvons pas laisser ça nous arriver. Nous devons vite agir. Ok. Hé, coucou, mes anges. Mes petits anges. Venez là. Ok. Qu'est-ce qu'a fait votre père? Tu sais quoi? C'est sans importance. Je peux me rattraper, les filles. Allons en ville prendre une glace. Nous ne sommes pas intéressés. Ouf, Sharon, es-tu intéressée? Qui? Moi? Non. Non. Tu pourrais emmener ta femme à la place. Et que se passe-t-il ici? Les filles, je veux qu'on aille regarder un film. Je vous assure, il y a un paquet de films que vous devez rattraper. S'il te plaît, maman. Sharon et moi ne sommes pas intéressés par des films pour l'instant. Mais je suis sûre que ton mari serait ravi d'aller voir ces films avec toi. N'est-ce pas, papa? Sharon. Oui? Et si nous allons jouer aux jeux vidéo à l'intérieur? Oui, allons-y. Mm-hmm. Quoi? Tu vois ce que tu as causé? Oh, s'il te plaît, ne me jette pas la faute. Fais avec. Fais avec ton comportement irrationnel et ta réflexion pas nette d'abord. Peut-être que tu devrais gérer ton manque de sens de réflexion. N'importe quoi. N'importe quoi aussi. Qu'est-ce que tu veux dire? Je ne comprends pas ce que tu dis. Qu'est-ce que tu crois? Qu'est-ce que tu crois que je fais? Et qu'est-ce que... Chola, tu te trompes. Tu dois arrêter d'accuser. Hein? Accuser quoi? Alors c'est ça ton plan? Retourner mes enfants contre moi? Je te demande pardon? Comment oses-tu? Comment oses-tu prononcer ce genre de bêtises? Sommes-nous dans une compétition ou alors quoi? Nora et Sharon sont mes filles, ok? Espèce de manipulateur, tu veux manipuler mes enfants pour qu'elles me prennent pour la méchante et toi comme le saint? Ton plan ne réussira pas. Il ne réussira jamais. Voyons qui jacasse. Regarde-toi en train de jacasser. Tu ne connais même pas les bases de comment doit être une mère. Comment éduquer les enfants. Et puis tu oses t'appeler mère et femme. Hein?
Honte pour toi. Maintenant, tu veux les amener voir un film. Comme si c'était la chose la plus importante dans la vie maintenant. Quand était la dernière fois que tu les as rendus visite à l'école? Quand était-ce la dernière fois que tu assistais à l'une de leurs fêtes de dernière année? En fait, quelle était la dernière fois? Ariel, quand était-ce la dernière fois que tu as regardé les résultats scolaires de tes enfants? Tu me fais honte, Chola. Tu me fais honte. Oh, tu veux ramener ça sur la table? Tu veux jouer à ça, n'est-ce pas? Ok. Quand était la dernière fois que tu as payé la scolarité? Quand était la dernière fois que tu as payé le loyer dans cette maison? Quand était la dernière fois que tu les as menés faire du shopping ou acheter quelque chose dans cette famille avec ton propre argent? Quand, Chola? Quand? Laisse-moi te dire quelque chose, Ariel. Je suis de loin mieux que ton père. Oui, si je ne t'avais pas enlevé de cette pauvreté et de ce taudis que tu appelais maison, où serais-tu? Alors maintenant, tu peux parler, hein? N'est-ce pas? Alors, maintenant, tu peux m'insulter. Parce que la table s'est retournée contre moi financièrement. Et que maintenant, c'est toi qui gères les dépenses. Tout d'un coup, tu es devenue insolente. N'est-ce pas? Chola. Chola. Je ne te tiens pas rigueur. Bonjour, maman. Bonjour, mon bébé. Et t'as bien dormi? Pas bien. Et pourquoi ça? Comment espérais-tu que je dorme bien quand mes deux parents sont en voie de divorce? Et comment veux-tu que je passe une bonne nuit, sachant bien que mes gentils parents ont transformé cette maison en champ de bataille? Et ce n'est pas moi. C'est ton père. Il est la cause de tout ceci. Va lui parler. Voyons, maman. Tu peux bien le faire. Ok, écoute. On m'a appris à l'école que les femmes sont des meilleures artisanes de paix et savent mieux faire des compromis. Voyons, maman, tu peux le faire. Tu sais, tu vois, tu pourrais juste faire des compromis. Bien. Ta mère que voici ne partage pas cette opinion. Donc, va voir ton père et parle-lui. Salut, Jenny. Oh oui, j'ai reçu les papiers du contrat. Je les signe dès que possible. Je suis tout excitée. Crois-moi, ma puce. Maman? C'est du jackpot.
Ah, je t'assure, je t'assure. Salut, Jenny. J'ai reçu les papiers du contrat. C'est tout ce qui l'intéresse. Des contrats par-ci, des contrats par-là. C'est pas bon. Je vais prendre des mesures radicales. Un foyer brisé, ce n'est ni pour moi, ni pour ma sœur. Franchement, pour qui elle se prend? Bonjour, petit cœur. Comment tu vas? Comment était ta nuit? Papa, je vais bien. Papa, je veux te poser une question et je veux que tu sois honnête à ce sujet. Ok, balance. Papa, qu'est-ce qui a changé? À quel sujet? À propos de maman et toi. C'est ta mère qui t'a envoyé me le demander? Non, papa. J'en ai juste marre de toutes ces querelles. Sharon, je pense que la meilleure personne avec qui tu dois parler, c'est ta maman, parce que elle est mieux placée pour répondre à ta question. Papa, est-ce que t'es sérieux? Écoute, papa, c'est toi l'homme de la maison. Va et arrange les choses avec elle. Papa, je crois que les objets brisés peuvent être recollés. Bonjour, monsieur Chola Abata. Et bonjour à toi, madame Chola Abata. Sharon, viens-tu juste de m'appeler par mon nom, ta mère? C'est très grossier, Sharon. C'est ce qu'on vous a appris à l'école? On vous a donné ces titres. Papa, maman, parce que nous avons décidé de sortir des entrailles de cette famille. Vu que vous deux avez décidé de ne pas résoudre ces problèmes, nous allons vous renier et adopter d'autres noms. Vous avez 5 jours pour régler vos différends. Sinon, nous allons vous renier et porter plainte pour violence sur enfant, pas vrai? Ouais, vous entendu? Vous l'avez entendu?
Est-ce que tu peux arrêter de faire ça? Le mariage n'a jamais eu une fin heureuse. C'est accompagné de problèmes et de complications. Mais la véritable question ici est... Est-ce que ta femme mérite ce qui arrive? Je veux dire, il y a des gens bien qui t'aiment et t'adorent. Et donneraient tout ce qu'ils ont. Juste pour être avec toi. Je parle pour moi-même. Comme ça, papa trompe maman. Je n'ai pas bien. Calme-toi. Ça va aller. Ça va aller. Ça va aller. Voilà qui vient, la copine de papa. Dans ses rêves. Je l'espère. Bonjour, jeune fille. J'imagine que vous vous êtes trompée d'adresse. Je suis certaine que non. Je suis Bianca, la protégée de votre papa. Vraiment sa protégée. Madame la protégée, je vous conseille fortement de rester loin de cette maison et de mon père. Sinon, vous aurez affaire à moi, à ma sœur et à ma mère. Décidez-vous. Mais rien du tout. Restez loin de mon père. Trouvez-vous un homme célibataire et restez loin de mon père, ok? Maintenant, sortez. Partez. Sortez de chez moi! Zut. Dégagez! Partez! Que vous faites là? C'est évident. Ou pas? Alors que je suis là, vous aurez dû m'appeler pour vous faire manger. Pourquoi? Madame Abata offrirait son aide à des personnes inconnues. S'il te plaît, Madame Abata, comme tu peux le voir, nous avons besoin d'espace. Nous devons rester concentrés sur ce que nous faisons. Ok? Merci. Va-t'en!
Quoi? Nora. Sharon. Et s'il vous plaît, ne me dites pas. Et que se passe-t-il? Et qu'est-ce que vous faites? Personne ne veut me parler. Nora? J'ai échoué dans mes responsabilités de mère. Quel exemple je donne à ses enfants, comme une mère devrait être? J'ai vraiment laissé le temps passer. Mon Dieu, s'il te plaît, aide-moi avec ses enfants. Chola, Chola, qu'est-ce que tu fais? Va juste t'excuser chez ta femme et récupère ta famille. Aucun mariage n'est parfait. Ariol, peux-tu ravaler ta fierté s'il te plaît et dis-le moi? Tu aimes encore cet homme. Et j'adore mes enfants. Je ne veux pas être aucun d'eux. Bien, monsieur et madame Abata, comme tous les deux, vous avez refusé de voir des raisons de vous réconcilier ou de faire un pas en avant pour résoudre vos problèmes. Nous partons. On s'en va parce qu'on ne veut pas rester dans cette famille qui manque d'amour. Nous ne voulons pas finir comme le frère d'Emilia, Colade, qui a commis un suicide. Je suis désolée. Je suis désolée. S'il te plaît, pardonne-moi, bébé. Je sais que je t'ai blessée. Non. Je t'ai blessée. J'ai juste manqué d'assurance. J'ai manqué d'assurance lorsque tu as commencé à gagner plus d'argent que moi. Et j'ai manqué d'assurance parce que je me suis dit qu'un jour je vais te perdre, vu que je n'ai plus rien à t'offrir. Je l'étais également, car je n'étais pas une assez bonne femme au foyer. Tu es tellement parfait dans tout ce que tu fais. Et qu'un jour, tu trouverais quelqu'un avec tous les atouts. Et lorsque j'ai vu ta petite protégée, mes craintes se sont avérées être vraies. Donc, mon inaptitude en matière domestique, j'ai essayé de le rattraper en travaillant dur. S'il te plaît, on te rend la hache de guerre. Je veux redevenir la femme que tu as un jour aimée et épousée. Et je veux être le même homme qui t'a mis la bague au doigt, sachant que tu es digne d'être ma femme. Je t'aime, bébé. Je t'aime encore plus. Processus faisant un pas de plus vers et hors des différends. N'est-ce pas une bonne idée? Parfois, il est important d'employer les grands moyens pour accomplir ses objectifs. Néanmoins, nous croyons en l'amour. Oh, venez là. Je suis trop merci, contente. Merci beaucoup. Je vous en prie. Merci de nous avoir forcés à voir la vérité.
Le studio de doublage d'Aforevo vous propose des services de doublage haut de gamme dans plusieurs langues, dont l'anglais, le français, le swahili, le lingala, le haoussa, le yoruba, le ibo, le tui, etc. Il vous propose également le service des événements directs, des films, des animations, des documentaires et des séries, des publicités radio et télévisées, ainsi que de contenu vidéo en ligne. Nos studios de classe mondiale sont dotés d'équipements HD de pointe. Notre siège social se trouve à Lagos, au Nigeria. Vous pouvez nous joindre via notre email dobbing@aforevo.com, sur Instagram aforevo.dobbing, sur notre site web www.aforevo.dobbing.com ou nous appeler sur 01 51 55 98 19 précédé du code plus 234 si vous êtes à l'extérieur. Aforevo, le guichet unique pour tout divertissement. Trust, and trust is a must for a relationship to work. Without trust, it can never work. No, we quarrel and fight, arguing loud, who is wrong or right. Let's remember how it was from the start, when love filled our hearts. Let's not fight anymore. Let's not forget how it was before. Oh, when there was peace and love between us. Let's not fight anymore. Oh, not anymore. The peace and love amongst us. Let's not fight anymore. When there's no understanding, there's bound to be misunderstanding. Because two wrongs can never make a right. When we are wrong, we should apologize. We must let go of ego and pride, and put our differences aside. Let love take over, take Let's over. Let's not fight anymore. Remember how it was before. When there was peace and love. Let's not fight anymore. Let's not forget how it was before. When there was peace and love amongst us. Let's not fight anymore. Let's not fight anymore. Let's not fight anymore. Remember how it was before. When there was peace and love between us. Let's not fight anymore. Let's not forget how it was before. When there was peace and love amongst us. Let's not fight anymore.